une seule et même forme. Mais les pierres sont uniques. Parce qu'elles sont taillées par le Seigneur. Aujourd'hui, un chrétien qui craint le Seigneur, qui lit sa parole, qui a une intimité avec le Seigneur, on ne l'appelle plus chrétien. On l'appelle maintenant pasteur. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui ne craignent pas le Seigneur. Les chrétiens d'aujourd'hui n'ont aucune intimité avec le Seigneur. Les chrétiens d'aujourd'hui n'ont plus de relation avec le Seigneur. Donc, en définitive, nos églises sont devenues des empires à la gloire d'un homme qu'on appelle généralement pasteur. Lorsque un chrétien quitte une assemblée pour une autre, le pasteur de cette assemblée dit: on m'a volé mon chrétien, mon fidèle. C'est ton fidèle? C'est toi qui es mort à la croix pour lui. Lorsque aujourd'hui dans une assemblée, un chrétien qui a quand même des moyens, même s'il ne craint pas le Seigneur, on fait de lui diacre, on fait de lui partenaire. Voilà, nos églises sont devenues comme la tour de Babel, où la confusion du langage règne. Nos églises sont devenues comme des zoos, où on trouve les animaux de tout genre. Comme disait le frère, dans nos assemblées, on a tout. On a les micros. On a les baffles. On a les instruments. On a des chaises. Lorsque quelqu'un de aisé qui a l'argent vient, on le met s'asseoir devant. Celui qui n'a pas d'argent,